Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Stellaris. Et pour la première fois, on a des rebelles là qui nous mènent la vie dure. Objectif de la guerre. Moins 14, perdu. Sauf que, évidemment, avec les problèmes de traduction, c'est vraiment pas très intéressant de lire ça comme ça. Bon. Pour l'instant, on va prendre notre flotte. Ils nous ont échappé là. Ah bah ils sont là, tiens, je les ai retrouvés. Ouais, je pense qu'ils sont en train de fuir. Alors d'abord on va aller là peut-être. Ouais, ils sont rapides, hein. Ils nous ont échappé, j'ai pas trop compris comment d'ailleurs. Mais peu importe. Je pense qu'ils n'utilisent pas peut-être les mêmes formes de pour voyager que nous. Tiens, là j'ai une planète à coloniser. Je vais lancer ça en deuxième là, après la corvette. Ok. Faudra que je donne un secteur, je sais pas lequel. Donc là on va les poursuivre, j'espère qu'on va les récupérer au bout. Je pense que oui. Ah non, sérieux, ils sont très rapides. Je sais pas où ils vont là. On va aller là pour l'instant. System survey complete. Ouais, c'est bien là qu'ils vont. Donc ça c'est un scientifique. Bon, je commence à avoir pas mal de vaisseaux. On va se regrouper. On va essayer de s'approcher plutôt. Je vais me regrouper à mes robes comme je l'ai fait pendant un temps. Je crois que j'ai une station orbitale à mes robes. Ouais, j'ai dû la construire moi-même. Bon, eux ils arrivent. Ok, du coup je sais pas trop où ils vont, mais ah, ils sont rapides. Oh merde, ils vont par là plutôt. J'ai l'impression qu'ils vont être compliqués à rattraper. En fait, je ferais peut-être mieux de m'occuper directement de leur capitale. Alors là, on va aller à Mérope. Ceci dit, à Mérope, je pourrais presque aussi construire des vaisseaux. Alors par contre, je vais pouvoir construire ceux de base, c'est tout. Mais ça m'intéresse aussi, je vais faire un petit peu de tout. Alors. Ok, on va essayer de les rattraper. Ah non, ils rentrent chez eux, hein. Je crois que c'est définitif. Bon bah c'est parti, on va aller chez eux. Normalement j'ai plus de puissance qu'eux, hein, j'ai quasiment 3 fois plus donc System survey complete. J'ai juste peur que leur flotte soit technologiquement supérieure à la nôtre. Ouais, je crois pas quand même. Hein. Hostile fleet engaged. Non, je vais les défoncer, je crois. Par contre, ils ont des très gros vaisseaux par rapport aux miens. Amérique. Développement interrompu. Et merde. Bon pour lui. Ah, si, c'est bon pour lui. C'est en rouge, mais c'est bon. Gain d'expérience, moins 100%. Tra, putain. Je me disais bien que c'était pas bon. Quel brel. Bon, c'est pas grave. Bon allez, on va aller s'occuper de leur planète. On va prendre notre flotte de. Je vais aller ici, entrer en orbite, tout embarquer, entrer en orbite. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ramène un vaisseau scientifique pour récupérer ça. Et eux, ils peuvent continuer à explorer. Ok. Ensuite. Donc lui, faut il faut qu'il aille à Mérope. Pour l'instant, c'est le point de rendez-vous. Ceci dit, non, j'ai déplacé
point de rendez-vous ici. Ok, on va envoyer tout le monde là-bas. Eux, ils y sont déjà, c'est bon. Je vais continuer. Spatioport. Hostile fleet engaged. Donc là, c'est la, c'est juste la station qu'on va se faire, donc j'irai voir ça un petit peu plus tard. Merop, justement, il y a quelque chose que j'ai pas fait avant. Alors, j'ai pas regardé, là. Ça, ça donne quoi? Bon, ça devrait aller. J'espère juste ne pas perdre de vaisseau. Ouais, c'est bon. C'est plutôt pas mal. Alors j'ai dit que normalement, Merop, le point de rendez-vous avait changé. On va aller sur Yondu ici. Ah bah ils y sont tous a priori. Ouais, tout le monde est arrivé. 696 de plus, c'est pas mal. On va attendre tout le monde. Là, je vais continuer, hein. Je suis encore loin de ma limite. Ah oui, armor, il faut que je... faut que je refasse tous mes niveaux, parce que c'est fait détruire. Research complete. Construction complete. Alors, ouais, j'ai plus d'argent, donc ça va commencer les soucis. Est-ce que j'ai pas des améliorations à faire? Pas vraiment, hein. Déblayer. Là, c'est une amélioration de production. Là, je peux construire de l'argent. Ah non, il a dit que il y a un problème. Nous manquons pour le moment de ressources, donc je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire bah, l'autre, hein, j'ai pas le choix. Ok. Donc ça c'est bon. Ici. Ah, là je peux faire une grosse amélioration. Ça, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai déblayé ça. Sur celle-là, honnêtement, pour l'instant c'est... accent sur la croissance plutôt, ouais. Celle-là aussi. Ouais, sauf qu'il n'y a pas grand-chose pour la croissance. Je vais déblayer ça. Ah merde, j'ai même pas les moyens de déblayer ça. Ok, c'est parti. System survey complete. Ok. Complexe capital de l'Empire. Oh, ça, ça m'intéresse. Je vais aller voir ça. Pour l'instant, je vais faire... pour débloquer les cases de gaz putride, c'est ça? Donc là... pourquoi je peux pas améliorer ça? Ah, il me faut 1200. C'est assez énorme. Bon. Bah, pour l'instant, c'est exclu. Donc là, tout le monde est arrivé. Ah, j'ai quand même une flotte supplémentaire de 800, là. On va se diriger là. Mes vaisseaux, là, ils en sont où? Ils arrivent? Ah, ils sont là. Ma colonie, elle est prête. Ah, c'est ça qui me met un petit peu dans le rouge, sans doute. On va résoudre ça. On va s'installer là. Ah non, c'est pas là, pardon. En fait, je voulais m'installer sur la grosse planète, mais celle qui est à moi, c'est la petite. Et pourquoi je peux pas m'installer là? Invasion de Cybrex. Il faudrait un scientifique niveau 5. J'en ai un niveau 5, il est ailleurs pour l'instant. Je vais le prendre. On va échanger les rôles.
Voilà. Et du coup, là, projet. Je pense que faire les 6 breaks, là, c'est assez important. Il y a des choses à gagner. Donc, je continue là-dessus plutôt, même si je vais peut-être perdre un bonus de science, tant pis. Alors, eux, ils sont prêts ou pas? Ah, ils étaient plus loin. Ça donne quoi le bombardement pour l'instant? Ils ont beaucoup trop de défense, je crois. On verra, mais... Ah non, ça va peut-être passer. Alors, du coup, je vais attendre cela. Alors, on est où, là? On n'est pas au bon endroit, a priori. Faut qu'on traverse la moitié de la galaxie. Construction complete. Ok. Ok, toutes mes flottes vont être là. Ah, 3000, mais je suis quasiment à 4000. Eux, ils sont presque là aussi. Construction complete. Flotte de Yonsei, station minière, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ici, je crois que c'est en route. On va faire celle-là. Là, je vais pouvoir commencer. Ah non, j'ai vu qu'il voulait pas s'installer ici. Faut peut-être faire le projet avant. On va être patient. On s'installera un petit peu plus tard. Alors, là, est-ce qu'on va pouvoir donner l'assaut? Tout le monde est arrivé, ou presque. Ok, c'est parti. On va leur dire de... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre un général, étant donné que le combat là va peut-être être un peu tendu? Je vais prendre un qui me coûte pas très cher. Je vais plutôt le mettre sur la plus grosse des armées. Voilà. Je sais pas quel bonus il donne. Je sais pas trop. Bon, du coup, il est pas très fort non plus. Donc si je me mets ici, un leader dirige cette armée. Bon, bah je pense que je peux attaquer. Hein. Tiens, santé des armées plus 5, dégâts relatifs aux armées plus 5, et il y a encore un petit problème de traduction, on voit pas tout. Research complete. Je sens que ça va être chaud. Ah, on devrait pouvoir y arriver. Ah, il commence à avoir des grosses pertes. Voilà. Ouf. Donc on va tout de suite, je pense, négocier avec eux pour avoir la paix. Négomas aidera à libérer... Ça veut dire quoi, ça? Libérer Négomas hégémonie. Céder... Bah, je vais... Terminera immédiatement la guerre et donnera 6 mois à l'ennemi pour dicter ses termes. Bah non, c'est pas ça que je veux. Forcer les demandes. Ah, c'est ça. Céder la planète. Donc, je vais leur demander de céder ça. De toute façon, là, il est... Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Bon. Alors, ça... J'ai perdu pas mal de troupes. Oh, ceci dit, j'en ai encore peut-être assez pour faire un assaut. Alors, j'ai pas trop compris, là. Du coup, ils ont dû disparaître pour de bon. Ouais, c'est bon. Et j'ai envie de m'attaquer à ceux-là tout de suite. Je sais pas ce qu'ils valent, mais... Comment ils s'appellent? Négomas Assembly of Sun. D'ailleurs, il faudrait que je crée un secteur, peut-être? Ouais. Je vais d'abord créer mon secteur. C'est le secteur, en l'occurrence, qui existait avant.
Il va être assez petit, mais j'ai pas le choix. Et on va de ce pas déclarer la guerre, je crois. Ouais, autant y aller. Il s'appelle comment? Negomas Assembly of the Sun. Ah, faut que je les trouve. On était en trêve il n'y a pas si longtemps que ça. Déclarer la guerre. Alors le but, par contre, je le connais pas trop. Je pense que ça va être de prendre cette planète-là, Mekogoldra. Gramur, déjà. Mekogoldra, je crois que c'est la capitale, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est pas grave. Et je pense que c'est déjà pas mal. Mais là, c'est bête, ils ont pas de planète dans ce secteur. Je pense qu'ils doivent avoir des stations orbitales qu'il faudra que j'aille détruire. Je me contenterai de ça déjà. Et je vais aller détruire des stations orbitales, je suis sûr qu'il y en a là. Sinon, il serait pas aussi gros à cet endroit-là, je pense. Bon, on verra. Confirmé. Construction complete. Il s'est rien passé, j'ai dû faire une boulette. Meko, ok. Déclarer la guerre. Ah. Ah, j'attends peut-être mes alliés, c'est ça? Bon, on va voir. Solidité des fortifications planétaires. Je suis partant. Ma colonisation, ça a donné quoi, là? Ah, je peux toujours pas faire, faut que je fasse... faut que j'attende. On va aller là. Pourquoi je peux pas aller là? C'est quoi ce délire? Il y a... Quand je veux y aller, en fait, ça fait un drôle de bruit. Bon, c'est pas grave, on va les réunir un petit peu plus tard. Bon, il me saoule un peu là de pas vouloir déclarer la guerre. Voter oui. Donc lui il va pas me suivre, c'est ça? Ah oui, bah forcément que je vote oui. C'est quoi ce délire? Debris analyzed. Ok, donc là j'ai énormément de débris à analyser. Le vaisseau de construction. On va lui trouver une utilité. Ceci dit, c'est pas fait. J'ai l'impression que j'en ai plus vraiment besoin. Si, là. Votez oui, sérieux. Ouais, s'il faut 36 pompes pour déclarer la guerre, cette alliance, elle commence un peu à me saouler. Ok. Donc là, par contre, j'ai énormément de choses à faire. À commencer par les revenus ici. Special project complete. Ah, ça c'est intéressant, un artefact de plus. On va pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir coloniser maintenant. Ouais. À mon avis, c'est pour ça qu'on pouvait pas. Ouais, c'est une toute petite planète, mais peu importe. C'est toujours bon à prendre, à mon avis. Bon, c'est un peu chiant là, cette affaire. Ah, je me retrouve dans le rouge à cause du vaisseau colonisateur, je pense. Et là, j'y suis presque. Oh là, là, il y en a beaucoup. Là,
La déclaration de guerre a été rejetée. Non, bah, si je peux pas déclarer la guerre quand je veux, je vais quitter l'Alliance tout de suite. Et on va repartir sur de meilleures bases. Déclarer la guerre. On va faire ses courses. Donc j'ai dit Meko Goldra, Ramur. Et pour l'instant, ce sera tout. Confirmé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah merde, j'avais oublié Anderson ici, j'avais pas vu. Merde. Ah, fuck. Bon, c'est pas grave. Et non, il y a peut-être pas de planète en fait, là c'est juste un trou de verre, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'aller détruire les... Je suis sûr qu'ils ont des stations de... Je sais pas. Ouais, je vais juste faire un petit tour, voir s'ils ont pas des stations orbitales là. Ce qui ferait qu'ils utilisent, qu'ils occupent les secteurs, ça m'arrange pas vraiment. Donc on va voir ça. Bon, suppression des marécages, c'est toujours bon à prendre. On va faire les labos vite fait. Ok, qu'est-ce qu'ils ont là? Ah c'est ça, j'en étais sûr. Ah, il y a une flotte. 2K. Alors, 2K c'est prenable, hein. C'est juste qu'ils m'ont, ils avaient un allié, j'avais bien vu qu'ils étaient deux. Je crois qu'il faut que je fasse plus de vaisseaux. Hein. J'ai de quoi faire. Destroyer. Donc là on va d'abord se détruire ça, vite fait. Enfin, vite fait, c'est... Hostile fleet detected. Oh, 4K ils sont. Et merde, c'est pas bon. Faut que je me regroupe. On va se regrouper à OSEC. Je pense que ce sera plus prudent d'avoir toutes ses forces. Que de partir séparés. Debris analyzed. Hostile fleet detected. Evading hostile fleet. Ok, on va se regrouper là par exemple. Station under attack. Hostile fleet. Merde, qui c'est qui? Ah non, c'est là, c'est bon, j'ai eu peur. Hostile ah merde, ils sont là. Engaged. Construction complete. Ils vont pas nous louper. Hein. J'aurais pas le temps de me regrouper, je crois. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup de petits vaisseaux. J'espère que ça me donnera l'avantage. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas l'avantage. Ce qu'il y a, c'est que les petits vaisseaux vont très vite périr. J'ai pas perdu beaucoup de puissance pour l'instant. Et j'aurais bien besoin de renforts là. J'espère qu'ils sont en route. Ouais. Ouais, je commence à perdre beaucoup là. Mais il a perdu 1000 aussi. Ah, c'est bon, les renforts sont arrivés. Bah sur quoi il tape là, parce que je vois rien qui diminue chez lui là. Ah si. Ok. Ok. Ouais, je commence à perdre beaucoup de vaisseaux. Hein. 2K contre 2K. En fait, il lui reste. Moi, il me reste les 6 gros. Et lui, il reste des tout petits quoi. Normalement, les tout petits, ça devrait tomber rapidement. Il reste que des corvettes, je crois, quasiment. Je crois que je vais me faire quand même éclater, quoi qu'il en soit. Mais on est à 1000 contre 1000, hein. Et moi, j'ai plus grand-chose, j'avoue.
Ah merde, j'ai tout perdu de nouveau. Bon, il est temps d'arrêter puisque ça fait 25 minutes. Je vous laisse, je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.